Salut à toutes et à tous, c'est PokéDragonHuit pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, en tout cas moi ça va très très bien comme d'habitude. Aujourd'hui je vous fais une très courte vidéo de réception de colis. En effet, j'ai acheté une carte ultra rare sur le Bon Coin. J'en ai eu pour exactement 2 € frais de port inclus, donc c'est une très bonne affaire malgré que la carte ne soit pas neuve. Mais il s'agit d'une carte vraiment très très rare et je suis quand même satisfait de mon achat. Donc je l'ai protégée sous pochette et sous top loader. Voilà, il s'agit de Nidoking Crystal. Donc Nidoking Crystal, une carte ultra rare sortie dans l'extension Aquapolis dont vous pouvez apercevoir le logo ici même. Donc c'est les premiers Pokémon cristaux qui sont sortis dans cette collection. Ils ont continué leur apparition dans la collection Skyrage qui est sortie uniquement aux États-Unis. Donc les Français, nous ne devons nous contenter que de 3 Pokémon cristaux. Car en fait, dans cette série, il y a 147 cartes et le Nidoking est la 150e, donc il y a 3 cartes secrètes. Et les 3 cartes secrètes sont des Pokémon cristaux. Voilà. Donc neuve, elle coûte facilement dans les 40 €. Malheureusement, la mienne n'est pas neuve, mais il ne fallait pas en espérer grand-chose pour 2 €. Je suis quand même très satisfait de mon achat au passage. Alors, voilà. Je vais vous montrer les petits défauts qu'elle a. Alors au recto, il n'y a vraiment pas grand chose, juste quelques plis ici, dans les coins on va dire, et puis quasiment pas de micro-rayures, un tout petit peu là, mais c'est pas méchant. Le recto est vraiment en très bon état. C'est le verso qui est un peu plus abîmé, un peu plus beaucoup, et on va dire. Alors comme vous pouvez le voir, il y a de la décoloration ici, 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 et une petite tache ici. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, pour 2 €, je reste quand même très satisfait de cette carte, qui est ultra rare et très recherché. Pour 2 €, je suis très satisfait. Voilà. Donc, je vais la ranger dans sa pochette pour éviter qu'elle ne s'abîme. Voilà, et le top loader. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Je ne sais pas vraiment. À part le fait qu'elle soit vraiment très très belle et très recherchée. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter cette carte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de cartes Pokémon. Allez, à plus.